tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Paris Saint-Germain. Le moral, il est heureux, on est plus que dans le vert au niveau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Donc, au niveau des transferts, j'ai ajouté des joueurs à ma liste, hein, vu qu'il y en a pas mal qui m'ont conseillé. Alors déjà, il y a Bremer, défenseur central, Declan Rice, Ndidi, Barella, Moussala, Bellingham, Valverde, Bernardo Silva, Martin Odegaard, Ibrahim, en tant qu'MC et MDC, on va dire, parce que je vous avais demandé des MC et des MDC, et je pense que dans tout ça, celui qui, je pense, le plus que je vais prendre, c'est Bellingham, parce que c'est mon préféré, là, dans la liste. Après, il y a Valverde, après Moussala, ça peut être pas mal, Ndidi aussi. Mais bon, je pense qu'après le match face à 3, on recrutera sûrement Bellingham, on essaiera. Raphaël Léao, on verra si on le recrute ou pas. Ensuite, Bureau, tac. On a encore 174 millions, je pense, donc ça va, tac. Conférence de presse d'avant-match, on va pas y aller, on va passer, on va jouer le match directement. Avec les maillots blancs, on est super beau. Ramos, Hakimi, Marquinhos. On va faire un peu tourner. Mbappé, Messi, ça va jouer. Ouais, eux, par contre, ils vont jouer. Ici, on va faire jouer Carlos Soler. Tiens, j'ai envie de le faire jouer. Verratti, tac. À la place de Marquis, on va faire jouer Kimpembe. Et à la place de Donnarumma, on va faire jouer Keylor Navas. Tiens. Après, on va pas toucher au reste, on va rester comme ça. Donc, on est parti pour ce match face à 3. C'est parti. Allez, c'est parti. Ici, à 3, là, je suis pressé. Va que la carrière, vous la kiffez. N'hésitez pas à regarder les autres carrières. Hein. La carrière pro, elle est très intéressante aussi avec toutes les nouvelles, les nouvelles nouveautés qu'ils ont ajoutées. Je sais pas si ça se dit, les nouvelles nouveautés. J'aurais pu dire des nouveautés, tout simplement. Ok, Neymar. Bien joué, Ney. Pour Mbappé 1-0. Ok, non, Mbappé, la finition là, c'est un manque de respect pour 3. Neymar, passeur décisif, c'est parfait. Le duo, ok. Ils sont en forme, 1-0 face à 3. Et c'est pas fini, on va leur mettre un gros score 3 là. Donc, c'est parti là. Un but en un match, c'est carré pour Mbappé. Là. Ramos, bien couvert ça. Bien joué, Kylian Mbappé, le doublé. Premier match de Ligue 1, hein, c'est le premier, j'avais oublié. Premier match de Ligue 1, déjà 2-0 face à 3, doublé de Mbappé. Il va rebattre le record du meilleur buteur de Ligue 1 cette année-là. Dans cette magnifique carrière avec le Paris Saint-Germain, c'est incroyable. En plus, je kiffe ce maillot. Hein. J'aime bien. Il est beau. Sur les joueurs, il fait beau. J'aime bien. Nuno Mendes, merci mon grand. Ça passe pas. Neymar, dommage. Oh là là, la passe de Soler, elle est incroyable. 3-0 pour nous. Triplé de Kylian Mbappé. Après, en face, en même temps, c'est 3, c'est sûrement la plus faible équipe de Ligue 1, je pense, dans le jeu. Donc, c'est normal que ça soit quand même assez facile, là. Mais bon, 3-0 comme ça, la passe de Soler, magnifique, hein. Incroyable, la récup de Renato Sanchez, là aussi, elle est bonne. Kylian Mbappé, faut pas la perdre. Bien joué, mon grand. Bien joué. Ok, Nuno. Nuno pour Neymar, Neymar pour Mbappé, Mbappé qui va, Mbappé. Oh là là, le quadruple de Mbappé. Non, Mbappé il est surpuissant. Il est surpuissant, on commence très très bien la saison là. 4-0 avant la mi-temps carrément. C'est trop là, 3 ils n'existent pas. Hein. Même pas une occasion, ils n'ont pas beaucoup la balle. Là ils sont dans le dur 3, hein. Ils sont dans le dur de ouf, c'est la mi-temps. Aïe, on va laisser Mbappé, hein. On va laisser Mbappé, même s'il met un sextuplé ou je sais pas combien de buts là, on va le laisser jusqu'à la 60e je pense, le temps qu'il s'amuse encore un peu, et puis après on le remplacera par Ekitike sûrement, en tout cas là Lionel Messi, on va revenir en arrière, t'as Kylian Mbappé pour Carlos Soler,
Oh là là, là 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 là, les passes de Carlos Soler à la triangle, c'est du... Waouh, c'est du haut niveau. Super Carlos Soler, deux passes décisives pour lui, j'arrive même plus à parler carrément. Quintuplé de Kylian Mbappé. Donc je pense que, ouais, à la 60e, on va le remplacer parce que sinon, il va mettre du but, il va déjà finir meilleur buteur de la Liga alors que la saison, elle vient à peine de commencer. C'est... Waouh. Carlos Soler. Oh là là, la balle. Ils sont pas chanceux sur ce but. Ils sont pas chanceux. La balle revient pile sur Kylian Mbappé. Mbappé, 6 buts. Oh là 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 là. C'est trop. Ah ouais, ça danse. Messi, il danse, tu vois. Genre, Messi, il danse 6-0 face à 3. Là, on va remplacer Mbappé parce qu'il est déjà 6 buts. C'est grave. C'est trop grave. Donc là on va mettre Pereira, on va mettre Ruiz. On m'a demandé si on pouvait faire 5 changements. On va voir ça tout de suite. Si je veux... Ouais, on peut faire 5 changements. Hein. Si je veux remplacer Neymar, là, il peut rentrer carrément. Mais nous, on va faire rentrer Marquinhos à la place de Ramos. Et on va faire rentrer Gaia à la place de Mendes aussi. Et puis voilà, on va faire 5 changements. Face à 3, on va donner du temps de jeu à un maximum de joueurs, tout simplement. On va beaucoup faire tourner hein, dans cette carrière, beaucoup faire jouer les jeunes, tout ça, en Ligue 1, contre les équipes, par exemple, comme 3, tout ça. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est le premier match de Ligue 1, donc on sort la grosse équipe direct. Mais on va beaucoup faire tourner, beaucoup faire confiance aux jeunes, parce qu'en plus, on aura des matchs tous les 3 jours, à peu près, je crois. Donc, c'est important de bien faire tourner pour que l'équipe, elle soit en bonne forme pour surtout la Ligue des Champions. Après, la Ligue 1, je pense pas qu'il y aura de gros problèmes au niveau des résultats. Donc bien faire tourner, c'est important, et même les jeunes comme ça, ils vont s'épanouir dans notre joli club du Paris Saint-Germain. Kitiki, ok, garde bien la balle, bien joué pour Neymar. Neymar du Brésil, on ne sait pas de quoi il est capable, Neymar. On ne sait pas de quoi il est capable. La percussion de Neymar, j'aurais dû tirer avant, dommage. Bien joué Navas, ok. Un tir de 3, un arrêt de Keylor Navas, c'est pas mal. Merci Keylor Navas. Ok, ça c'est au-dessus. C'est bon, le danger il est écarté. Ok, c'est fini, il a pas laissé la dernière action. Mbappé qui prend son match. Hein. Sa balle, il a mis 6 buts. Qui s'en rend compte? 7 tirs, 6 buts. C'est grave la finition qu'il a. Hein. C'est trop grave. Kipembe 5,9. Wesh, il a pas fait un mauvais match, Kipembe. Il a même pas fait de faute, je crois. Monaco qui perd. Ah ouais, sinon tout le reste, les favoris ont gagné. Mais Monaco qui perd, c'est assez surprenant quand même. En plus, à domicile. Assez surprenant. J'espère que vous entendez pas trop m'appeler. Parce qu'elle fait beaucoup de bruit hein, quand même. Hein. Mais bon, je pense que vous l'entendez malheureusement. Les 6 buts de Mbappé ont fait mal. Ils ont fait plus que mal même. Ils ont fait super mal. Offre de transfert pour Nuno Mendes. Wolverhampton. Désolé, Nuno Mendes, carrément, je le bloque, les mecs. Et du coup, nous, oui. Du coup, on va aller négocier avec Bellingham, qui sera titulaire. Hein, Bellingham, il sera titulaire. Donc, tac. Accueil transfert. Tout de suite. Et on va aller chercher notre petit Jude Bellingham. Après, on va voir ce qu'il nous faut en doublure. Mais je pense qu'après, on sera bon. Hein. Je pense qu'après, on sera bon. On va faire une offre à 95 millions pour Bellingham. Je pense que c'est super intéressant. Tac. Allez. 94 millions. Ah ouais, direct. Ok. On aurait même pu le prendre pour moi, je pense, carrément. On va négocier directement. Il a 19 ans. C'est en 2003. Il a mon âge. Bellingham, je le kiffe. Je le kiffe, ce joueur. Il est trop fort, en plus. En plus, il marque beaucoup, quand même, avec Dortmund en Ligue des Champions, tout ça. Pas mal, important, bien sûr. Il a largement sa place en important. On va le signer pour 5 ans, par contre. Hein. Tac, pas de... C'est super, ça. Et au niveau du salaire, vas-y, on va te mettre un bail de 80 000 plus 1 million à la signature. Oh. Fais-toi plaisir, voilà. Et on a Jude Bellingham au Paris Saint-Germain. C'est parfait. La petite cinématique d'arrivée de Jude Bellingham. Oh là là, il est BG. Il y a l'adjoint pour l'accueillir. Ok, go. Jude Bellingham, Paris Saint-Germain. La pépite.
Ça, c'est un très 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 bon milieu. Hein. Très 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 bon milieu. Ok, il passe les tests, c'est normal. Ok. Ça a l'air bon et c'est bon. La visite médicale, allez OP. Jude Bellingham avec le maillot et avec moi. Ok, ok, numéro 14, Gangs. À la Matuidi, mon gars. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, 94 millions. Est-ce qu'on a fait un bon coup? Je pense que on aurait pu l'avoir pour moins cher. Ah, ouais, parce qu'ils avaient mis 98 millions, je crois. Excellente affaire. En même temps, tu m'étonnes, il a 19 ans, il a déjà 84 de général. On le paye ce prix-là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc, là, au niveau de l'équipe, tac, on va le mettre à la place de Renato Sanchez carrément. Danilo Pereira, désolé mon gars, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais tu vas passer en réserviste. Hein. Sanchez et Ruiz là, ils vont rester ici. Tax, il y a Soler quand même, il sera en réserviste aussi. Sarabia, Mukele et lui, on va mettre dans l'ordre, voilà, tac. Voilà, là c'est dans l'ordre. Donc là, en doublure de Donnarumma, on a Navas, ça va. En doublure de Marquinhos et Ramos, on a que Kimpembe en vrai. Après, on a Mukele, plus Bichuabi, El Shaddai quoi. El Shaddai qui est très très bon d'ailleurs. Là, on a Mukele, Pembele, ça va. D'ailleurs, Mukele qui peut jouer aussi des défenseur central, donc ça va. On a Gaia à gauche. En milieu central, là, on a Pereira, c'est carré. Ici, on a Ruiz, Soler, plus Renato Sanchez. Mbappé et Kitike, Gakpo, et ici on a Sarabia. Franchement, ça va, c'est des doublures, c'est pour la Ligue 1. Donc en vrai de vrai, ça passe. Vitinha, Verratti, Bellingham, ça va être beau. Hein. Ça va être très très beau, très 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 beau. Donc là, on va partir directement match face au RC Lens. Normalement, je crois que c'est à l'extérieur, ou c'est à domicile. Non, c'est à domicile. Donc premier match au Parc des Princes de la saison, off de prêt pour Nigeria. Non, laissez-le nous. Non, tiens, si on le prête pour un an, ça va. Tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le bureau. Non, dans transfert personnel jeune. Ouais. Personnel jeune, et on va aller le mettre directement en France, tout simplement. On va le mettre pendant 9 mois à chercher des pépites en France. Voilà, tac. On va mettre que lui pour l'instant, et on verra après, plus tard, pour... mettre quelqu'un au Brésil, je pense. Donc là, on va partir directement match face au RC Lens. Deuxième match de Ligue 1 Conforama. On est premier, évidemment. Conférence de presse. Ok, on va y participer. Après le recrutement de Bellingham, les supporters. Oui, vous inquiétez pas. Il va jouer directement. Directement, directement. Il prouvera qu'il est l'homme de la situation. Il est trop fort, Bellingham. Vous avez plié le match. S'en préoccupe. Peu importe le moral adverse, hein. En vrai de vrai, vous étiez plutôt actif pendant le mercato, pas moins de 3 joueurs restés. Avoir des joueurs quittés, on a une équipe complète en vrai. Il n'y a personne qui va quitter le club là, je pense, à part si on le fait quitter, mais en tout cas il sera remplacé. Boîte email, c'est quoi? Ouais, lui il se met en place tranquille. Mets-moi un bon réseau en Ile-de-France là, histoire de trouver des bonnes pépites. Bellingham, Mbappé, ouais, Soto Kassaïd. Ok, ok, on va faire jouer un petit jeune. On va faire jouer El Shaddai. On va le préférer à Ramos, tiens. El Shaddai qui va jouer face au RC Lens. J'aurais bien mis un petit... un petit Pembele aussi. Donc on va envoyer Gaia en réserviste. Il sera pas sur la feuille de match. On va envoyer... ouais. On va faire jouer PMB, les 87 de vitesse en plus. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Tac, tac, tout est carré là. Devant, on touche pas. Hein. Ouais, devant, on touche pas. C'est parti, match face au RC Lens, au Parc des Princes. Premier match au Parc des Princes, hein. Les 3 points très importants là. Ok, ok, nos Parisiens qui s'entraînent. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. Parc des Princes, ok, ok, ok. Il est magnifique comme stade, hein. Magnifique, magnifique, c'est parti, match face à Lens. Il nous faut les 3 points là, attention à pas se faire surprendre par Lens, hein. Lens, très très bonne équipe, il faut faire attention. Et objectif aussi, garder la cage de Donnarumma invincible.
Oh là là, la passe de Verratti, elle est incroyable, elle est incroyable. 1-0, encore un but de Kylian Mbappé. C'est grave, c'est grave, c'est grave tout ce qu'il met comme but. C'est impressionnant. En tout cas, là, on a bien joué les passes courtes. Après, là, la passe de Verratti entre les trois joueurs lensois. Mbappé qui se retourne comme ça facilement. C'est incroyable, c'est incroyable. Le plat du pied après, 7e but en Ligue 1 pour Kylian Mbappé en 2 matchs. C'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est trop grave même. Bien joué. Oh, la barre de Neymar! Oh là 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 là! Y'a quoi, y'a main? Oh oui, y'a main. Parfait, 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 y'a main. Ok, 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 ok. Non, la frappe de Neymar a été sublime. Hein. Dommage qu'elle rentre pas. Dommage, 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 dommage. Après, Vitinha qui a mis un pétard. Ah ouais, y'a une main, mais elle est pas vraiment flagrante. C'est Neymar qui va chercher du penalty. J'espère que je vais pas le rater. Attention. Et on l'a raté. Enfin, le goal, il l'a arrêté. J'ai la rage. J'ai la rage parce que Neymar, normalement, il rate pas les penalty. Oh, ah, j'ai la rage. Purée. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, non. Juste avant la mi-temps, je vous ai dit, attention à Lens. Je vous ai dit au début du match, attention à ne pas se faire surprendre et ne pas se prendre de but aussi, parce que Lens, ils sont bons malgré tout. Et on s'est pris un but, malheureusement. Purée, j'ai la rage, ah, j'ai la rage, j'ai la rage, j'ai la rage. On a mal défendu là sur l'action. Bon, ça fait un partout, mais bon, la deuxième mi-temps, ils vont plus exister ensemble. C'est bon, là, on va mettre le rouleau compresseur. C'est parti. Lionel Messi. Mbappé. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Ils nous dominent, hein. Ils ont un gros gros temps fort là, les Lensois. Très très gros temps fort, hein. Très très gros temps fort, donc du coup on va faire des changements parce que là en plus on allait se prendre un but comme vous avez vu. On va faire rentrer qui? On va faire rentrer qui? Je sais pas faire rentrer qui moi. Fabien Ruiz et Renato Sanchez en vrai. Hein. Et là on va faire rentrer Hakimi aussi. Ça peut être pas mal, les débordements d'Hakimi, ça peut être bénéfique là pour nous. Parce que là on est quand même en danger on va dire. Bien joué Messi, dommage que. Dommage, dommage. Oh là là, Mbappé, doucement. Pff, bien joué, Fabien Ruiz. Purée. Non, c'est grave. Nuno Mendes. Bien joué, Donnarumma. C'est grave qu'on soit en danger comme ça. C'est trop grave. Mbappé qui prend son jaune, ouais, c'est normal. Avec la faute qu'il a fait, c'est normal. Mais c'est grave, là, c'est grave. On est en danger face à Lens, les mecs. C'est grave, on peut pas faire un partout face à Lens. Oh, faut leur mettre un score là normalement. Regardez qui défend, regardez qui défend. C'est Neymar, hein. C'est Neymar. Bellingham. Bien joué mon grand. Luno. Bien joué. Bien joué. C'est beau, c'est beau. C'est grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Non, c'est grave, c'est grave. Vas-y, on va faire sortir Neymar, on va faire entrer Gakpo. Normalement, ça se fait pas, ça, mais là, on va le faire. C'est trop grave, en tout cas, que la tête de Bellingham, elle soit pas rentrée. Oh là là, pour Renato. Renato Sanchez, le but. La retournée est à la 77e minute de jeu, c'est magnifique. 2-1 ici au Parc des Princes, c'est magnifique. Merci, Renato. Merci, le centre de Messi, il est super aussi. Tout est super, bien joué l'équipe, bien joué. C'était chaud quand même, 80e minute de jeu pour marquer le 2-1 là. On s'est fait dominer, on allait se prendre des buts. Mais non, on a su rester solide quand même. Après c'est Lens quand même, c'est... Ça va être quoi en Ligue des Champions face à la Juve ou Benfica là? Oh, les mecs. Bellingham, bien joué Bellingham le tacle, c'est super. Oh là là, Léo Messi, Léo Messi, Léo Messi il est en feu là. Léo Messi il est en feu. Léo Messi est en feu, 3-1, voilà, c'est bon, le rouleau compresseur, il est parti. Merci Léo Messi qui est en très très grande forme cette saison et qui le sera aussi dans ce FIFA. El Shaddai, il a fait un très très grand match, on va le sortir, on va faire entrer équipe MB.
C'est parfait. 80 bonnes minutes de jeu là pour El Shaddai. Je pense que c'est assez quand même pour un premier match de Ligue 1. Ah là 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 là, ok, on est bon là. Allez Hakimi, compte sur toi Hakimi, hein. Tu viens de rentrer, tu te fais effacer comme ça. J'ai cru qu'ils avaient marqué. Oh là là, j'ai cru qu'ils avaient marqué. Bien joué. Allez Mbappé. Allez, mets un petit coup d'accélérateur là. Super. Boum. Merci Kylian Mbappé. 4-1. Ça finit au fond. 89 minutes de jeu. C'est bon là. 3 buts en 10 minutes. Je pense qu'on est bon. On est bon. Donc merci Kiki. 8e but déjà en 2 matchs. C'est impressionnant. 90e minute de jeu. On va rester ensemble jusqu'à la fin. Tout simplement. Fofana aussi. J'aurais pu le recruter en vrai. Dommage, vous ne me l'avez pas conseillé. J'y ai pas pensé. Non, en vrai, j'aurais pu le recruter aussi. Hein. Surtout qu'il a des bonnes stats, tout ça. Ok, Renato. Il y a foot là? Ah non, c'est la fin du match. Ouais. Parce que s'il sifflait foot sur ça, quand même, là, j'aurais eu la rage. Pourquoi les joueurs en soi, ils sont comme ça? Non, les gars! Là, en 10 minutes, j'avoue, ça fait mal de se prendre 3 buts comme ça. Fin du match. En plus, à un moment, ils pouvaient y croire. Hein. Ils pouvaient largement y croire. Ils nous dominaient de ouf, ils pouvaient marquer. Mais bon, Monaco, 2 matchs, 2 défaites. Hein. Lyon qui a gagné face à Monaco. Ok, va falloir se méfier de Lyon. Oh, les mecs. Ah ouais, on est dans l'étoile carrément là, tellement on est bon avec le PSG. Tac, pour Moussala, ouais, mais Moussala, on n'a plus besoin du coup, vu qu'on a Bellingham, la pépite. Dernier match de cette vidéo, les mecs, face au stade de Reims. C'est un accord là pour Naguera, donc je pense qu'il va falloir recruter quand même un autre buteur. Enfin après il y aura le centre de formation qui va se lancer, donc je vais recruter des joueurs du centre de formation. Comme ça sera des doublures aussi. Donc là, match face au stade de Reims. Et après ça sera la fin de cet épisode. Au niveau du calendrier, bon, on est premier, 2 matchs, 10 buts marqués, 1 but encaissé. Le but encaissé là c'est 2-3, hein. Je veux enlever ça. Il y a Rennes, Nice et Lyon qui font aussi un sans faute pour l'instant. Et le stade de Reims qui ont toujours pas perdu, hein. Une victoire, un nul, donc on va voir ce que ça donne face à nous. Calendrier hebdomadaire. Du coup. Ouais, ça sera le dernier match. Dans le prochain épisode, il y aura Montpellier. Et il y aura. Calendrier. Attendez, tac. Il y aura Montpellier, le Stade Rennais et la Juventus. Ça sera le début de la Ligue des Champions. Ah ouais, sale. Mais bon, là pour l'instant, on se concentre sur le match face au Stade de Reims. Donc, on va aller jouer ce match. On va faire souffler Mbappé. On va faire jouer Ekitike. Tout simplement, on va le faire jouer en pointe face à son ancien club. On va voir ce qu'il donne. Messi, Neymar, Vitinha, Bellingham, Verratti. Ça bouge pas. Ouais, là, ça va pas bouger. Ça va pas. On va juste mettre Gaia titulaire, je pense. On va laisser Donnarumma, Hakimi, tac. Qui est-ce que je peux faire jouer en vrai? Solaire, il était plutôt bon. On va faire souffler Bellingham. On va faire souffler Verratti aussi. Tac, on va les mettre les deux sur le banc. Tac. Et puis après, on va partir avec... c'est Marquinhos qui a joué le dernier match. Hein. On va partir avec du Kimpembe Ramos encore une fois. Et puis Fabien Ruiz, il va jouer ici. Et Marquinhos, il va jouer 6. Tiens, on va faire comme ça. On va faire comme ça et on va mettre Mukele sur le banc. Ouais, là, ça peut être pas mal. On va tester Marquinhos 6. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Et puis, c'est parti pour ce match face au stade de Reims, tout simplement. Ok, c'est parti à Reims, ici. Tac. C'est parti, on est en gris. Solaire pour Fabien Ruiz. Marquinhos en sentinelle. Léo Messi au stade de Reims, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. C'est un truc de ouf que Messi fasse le tour de la France comme ça. Tac, Ekitike, bien joué. Marquinhos, Torient, tout, c'est super. Bien joué Marquinhos, bien cassé la ligne là. Oh Léo Messi, dommage. Première bonne frappe là de Léo Messi. Il est en feu Léo Messi là en ce moment. J'aimerais bien que Neymar aussi plante son premier but en Ligue 1 là dans ce match. Ça serait cool. Oh là là, le jeu à 3 il est beau. Vas-y Ney. Non, pourquoi il tire pied droit, enfin pied gauche, purée.
Un jeune. Bien joué Neymar, rentré pour Ekitike face à son ancien club, faut pas qu'il célèbre. Hein. Mais bon, je pense qu'il va célébrer, je sais pas faire la célébration de pardon dans FIFA. Ouais, il célèbre à mort, hein. Ah, il s'en fiche, il s'en fiche, il s'en fiche. Mais bon, passe décisive de Neymar, but de Hugo Ekitike. En butant deux matchs, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il était bien placé, tout simplement. Ça fait 1-0, c'est carré. Bien joué ça. Non, Neymar, allez là, ça va rentrer. Ok, Messi. Aïe, 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 Messi en mode accélération. Léo Messi. Le deuxième lob de Léo Messi. Deuxième but en Ligue 1, deuxième lob. C'est grave. Et ça, c'est la finition de Messi pour moi. Les lobes, ça appartient à Messi. Enfin, les petits ballons piqués là par-dessus le goal. Il les maîtrise trop bien. Et la preuve, deuxième but en Ligue 1 pour Messi. Deuxième lob. On va marquer que en lob avec Messi, je pense, cette saison. C'est parfait. On maîtrise le match, Marquinhos il est fort en 6, Fabien Ruiz c'est solaire, c'est solide. Non là j'aime bien Gaïa aussi, c'est solide à gauche. Après tout le reste de l'équipe, bah c'est de l'équipe type quand même. Donc tout est correct là en vrai. Regardez, solaire c'est solide, hein. C'est solide, c'est solide. Là Ekitike lui met la balle par dessus, solaire il la met à Messi mais il la met mal. Dommage qu'il la mette de la tête et pas du pied. Ça va être la mi-temps, donc en vrai, on va rester ensemble. Tac. Allez, Ramos. Super. Ramos, patron, les gars. Ramos, deuxième duel. Dommage. Kimpembe. Bien joué, les mecs. On prend pas de risque. Hein. Tac, sur Neymar. Neymar qui allait s'appuyer sur Ruiz. Ruiz sur Ekitike. Et on allait relancer Neymar. Les jeux en triangle, les jeux à 3. C'est ce qu'il y a de mieux dans le football, je pense. 2-0 face au Stade de Reims, on est parti, on va pas faire de changement. C'est parti, deuxième mi-temps. Oh là là, Neymar. Purée, mais pour Neymar, il y a toujours un truc. Soit il y a un joueur, soit il y a... Ah, c'est énervant. Pff, Ramos, impressionnant. Oh là 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 là, les décalages ils sont magnifiques, Léo Messi pour Carlos Soler et 3-0 but de Carlos Soler, il est en feu Carlos Soler aussi hein. En vrai il doit avoir des bonnes stats. Déjà premier match il avait fait deux passes D, là il marque. Non il est bon Carlos Soler, j'aime beaucoup le type de joueur qu'il est. Non FIFA il a des bonnes stats, tout ça, j'aime beaucoup jouer avec lui, hein. C'est agréable. Mais bon 3-0 ici à Reims, c'est parfait. Bien joué Ney. Oh là 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 là, le tac de Neymar, il était parfait, il était parfait. On va faire entrer Verratti à la place de Soler, on va faire souffler un peu. Neymar qui va tirer le corner. Ramos, dommage, c'est trop sur le ball. Bien joué, allez Neymar, vas-y mon grand. Vas-y mon grand, c'est ton moment. C'est ton moment, c'est ton but là. Mais non, mais c'est pas possible! Genre, le goal, il arrête ça, là! C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop! Oh là là, Neymar, il l'a envoyé, là! Oh, c'est trop, ça veut pas rentrer pour Neymar! C'est trop, les mecs, c'est trop! Genre, poteau! Arrêtez, arrêtez! Neymar qui a toujours pas mis son premier but en Ligue 1! 3 matchs, toujours pas un but pour Neymar! Mais bon, après, il est décisif dans le jeu, au niveau des passes D, tout ça, donc... C'est bon, mais toujours pas un but. Alors que c'est lui qui avait lancé la saison au Trophée des Champions, là, en marquant un magnifique coup franc. Mais bon, en Ligue 1, ça veut pas encore rentrer. Mais bon, ça va rentrer, faut pas se précipiter, c'est tout. Là, il y a sûrement Najira qui va partir en prêt, normalement. Ouais, c'est lui. Hop, pile, on passe la cinématique, hein, on la connaît maintenant. 12 mois au Renoa, c'est parti. Tac, ça part. En prêt, progresse bien, mon gars. Et on te récupère
dans un an. Donc ensuite, Nigeria prêté, offre de transfert pour Marquinhos, 29 millions, ils veulent changer qui? Ils veulent mettre Riyad Mahrez dans l'échange. Non, déjà, Marquinhos, on ne vend pas, et Riyad Mahrez, il ne nous intéresse pas, déjà, de une. Coach, je sais qu'on parle beaucoup, je tenais, que je suis prêt à tout. Ouais, tu peux être encore meilleur, mon gars. Coach, Ekitike, coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt, bravo petit, t'inquiète. Tu vas jouer encore et Kitike, t'inquiète pas, t'as marqué, c'est vrai. C'est propre. Là, c'est la fin de ce troisième épisode de la Carrière Manager avec le Paris Saint-Germain, les gars. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao.